Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'est point de salut. Pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il y fait un peu crotté. Mais nous avons la chaise. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la pluie, du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est des vôtres. Hélas, nous ne sommes pas encore connus. Mais nous sommes en passe de l'être. Nous avons une amie particulière qui a promis d'emmener ici tous ces messieurs du recueil de pièces choisies. Et certains autres qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite. Et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Eh mon Dieu, nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié. Car enfin, il faut avoir la connaissance de ces messieurs-là si on veut être du beau monde. Ce sont ceux qui, dans le grand, ont la réputation d'en tout pays. Et vous savez, il y en a telle dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseur, quand il n'y aurait rien d'autre chose que cela. Mais pour moi, ce que je considère par le moyen de ces visites spirituelles, c'est que l'on est instruite par là de 100 choses qu'il faut savoir, d'un nécessité, et qui sont de l'essence de bel esprit. L'on apprend par là chaque jour toutes les petites nouvelles galantes et le joli commerce des proses, des vers. Non, c'est à point nommé. Un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur tel sujet. Oh. Celle-ci a composé des paroles sur tel air. Oh. Celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance. Oh. Celui-là a composé des stances sur une infidélité. Oh. Monsieur un tel écrivit hier soir un 6-1 à mademoiselle une telle, dont elle lui a fait porter la réponse ce matin sur les 8 heures. Tel auteur a fait tel dessin. Celui-là en est à la troisième partie de son roman. Celui-là, il met ses ouvrages sous la presse. C'est là ce qui vous fait valoir dans les compagnies. Et mais si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un sou de tout l'esprit que l'on peut avoir. En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez point en peine. Je veux établir chez vous une académie des bons esprits. Et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'y escrime un peu quand je veux. Et vous verrez courir de ma façon dans les belles ruelles de Paris 200 chansons. Oh. Autant de sonnets.
400 épigrammes. Plus de 1000 madrigaux. Sans compter les énigmes et les portraits. Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne sais rien de plus galant que cela. Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma manière qu'ils ne vous déplairont point. Pour moi, j'aime terriblement les énigmes. Cela exerce l'esprit. J'en ai fait 4 encore ce matin que je vous donnerai à deviner. Les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés. C'est mon talent particulier. Je travaille à mettre en madrigaux toute l'histoire romaine. Oh, certes, cela sera du dernier mot. J'en retiens un exemplaire au moins. Oh, c'est vous faites Mesdames, je vous en promets à chacune, hein, et des mieux reliés. C'est au-dessous de ma condition. Mais je le fais seulement pour donner à gagner au libraire qui me persécute. J'imagine que le plaisir doit être grand de se voir imprimé. Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis, que je fus visiter, car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes, de toutes nos oreilles. Oh, oh. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapis noir me dérobe mon cœur. Au bonheur! Au bonheur! Au bonheur! Au bonheur! Tout ce que je fais allait à un cavalier, cela ne sent point le pédant. Oh, il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh, oh. Voilà qui est extraordinaire. Oh, oh, comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh, oh, la surprise. Je trouve ce... Oh! Oh! Admirable. Il semble que cela ne soit rien. Mon Dieu, que dites-vous? Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Je préférerais avoir fait ce... Oh! Oh! Qu'un poème épique. Tu Dieu! Vous avez le goût. Bon. Oh, je n'ai pas tout à fait mauvais. Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, tandis qu'innocemment son malice comme un pauvre mouton. Je vous regarde. C'est-à-dire? Je vous observe. Je vous contemple. Je m'amuse à vous considérer. Votre œil en tapis noir.
Que vous semble ce mot? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Tapis noir, tapis noir, tapis noir, tapis noir. En cachette. Tapis noir. Il semble que ce soit un chat qui vienne prendre une souris. Oh, il ne se fait rien de mieux. Me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Un voleur, un voleur, un voleur, un voleur. Ne diriez-vous pas un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter? Un voleur! Un voleur! Un voleur! Un voleur! Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galant. Je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus. Ah, vous avez appris la musique? Moi? Point du tout. Hey, comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Mais enfin, assurément, ma chère. Écoutez si vous trouverez cet air à votre goût. Pensée bien exprimée par le chant. Un voleur. Puis,
comme si l'on criait bien fort. Puis, tout d'un coup, comme une personne essoufflée. C'est là savoir le fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Tout est merveilleux, je vous assure, je suis enthousiasmée de l'air, des paroles. Je n'ai encore rien vu de cette farce-là. Pas tout ce que je fais me vient naturellement. C'est sans étude. La nature vous a traité en vrai mère passionnée. Et vous en êtes l'enfant gâté. À quoi donc passez-vous le temps? À rien du tout. Nous avons été jusqu'ici dans un jeûne effroyable de divertissement. Je m'offre à vous mener un de ces jours à la comédie, si vous voulez. Aussi bien on en doit donner une que je serai bien aise que nous voyons ensemble. Ce n'est pas de refus. Mais je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là. Car je me suis engagé à faire valoir l'œuvre et l'auteur m'en est venu prier encore ce matin. C'est la coutume ici qu'à nous autres gens de condition, les auteurs viennent montrer leur œuvre nouvelle pour nous inciter à les trouver belles et leur donner de la réputation. Et je vous laisse à penser si quand nous avons dit quelque chose, le parterre ose nous contredire. Pour moi, j'y suis fort exact. Et quand j'ai promis à quelques poètes, je crie toujours « Voilà qui est beau !» avant que le spectacle ne soit commencé. Oh, ne m'en parlez pas, mais c'est un lieu admirable que Paris. Il s'y passe tous les jours sans chose que l'on ignore dans les provinces, quelque spirituel qu'on puisse être. Et pour moi... Puisque nous sommes instruites, nous ferons notre devoir de nous écrier comme il faut sur tout ce qu'on dira. Je ne sais si je me trompe, mais... Vous m'avez toute la mine d'avoir fait quelques... comédies. Il se pourrait quelque chose de ce que vous dites.